Yaorana, e mana vai tu tatou faririr a Naruto ite ye apuroror a top class Naruto ite reo teiti. Te pape, puna o te ora, te tumu ato a ia o te ye pepe. Te pape. Te pape, te pape. O vai oe. Te pape, te pape. No hea mai oe. O oe te ora o te tata. Te tahenei oe iroto i te mau faa. Te hopu nei te mau ani mara iroto i a oe. No to oe haumaru imihia i rato i a oe. Te whaatupu ato ara oe te mau hotu. E te maura au tupu. E tahae oe i te mau wahi atoa. Te imihia nei oe e te mau tata atoa. No reira. E mea fauf arahi oe. E ti aroa ia. Ia whaaturahi a oe. E ere i te mea ohie i te orar au te mau animara i roto i te nātura. Amu mai aore rā amu atu. Te iete a amunom oiti, nene ihia i te putua tapapar a e veira aputa ihihap i no Porinetia. Mo oiti, nene ihia i te putua tapapar a e veira aputa ihihap i no Porinetia Frani, tahoho ahia e Marcial Delcas. Nawai i ofa i te ie huero. Na te manua nei? E ere. Nā te honua nei? E ere. Nā te moa nei? E ere. Nā wai hoia. Nā te moo. Ai ona i roto i te hueru. Wā piriha auroa o moo iti. Pato ihora te huero, ne e meira o mooiti i rape. Waora oia. Aue te au i a tiroaroa te awae. Aue te au i a tairiiri no te aeroe. Aue te au i a whātorotoro te arero i rape ae. Whae a tau ihora o mo. Hori hori no ai te ori o mata. Mea huru au. Ahe, te poi a maira. E mea huru mona mona mau te iita. Ai tara o mooiti i paia. Te rā mai te pepe e in e papu. Tōtoror a ia o mooiti. Piriro atura i te pepe. Mauta aera te pepe inia i te papai. Aua e tō mooiti awe tāp i maitei i oreai oia e hee. E taime potoro. Ua pata ihora oia i tōna arero e maumeira o pepe iaan. E muna muna tā ehiwa tō te pepe. Whawhaia no i hora o mooiti. Ai taraona e itera i te pifare e tōtoro atune. Maua e nei o mooiti i raroa ai te awe o te mimi.
horo atura ma te waihu mai tona aero. Pa ari aera o mo oiti. I te ho e mahana? Te wharere nei ona i te ho e mo o ufa. No vai te i e mo huero. No te manuane? E ere. No te honuane? E ere. No te moane? E ere. No vai ho ia. Hoa e piti. E aha te i taui i ni a iamo oiti. Wa paari o mo oiti. Wa hua ahia oia. E aha te aura a o te tao pirihao. Ia piriha o ana e, e mea api api ia. Mai te mea e inei te pepe no te mo'o. O vai te inei a te pifare. O mo'oiti te inei a te pifare. Wa i te anei oe, te taimau animara, e of anei i te huero? Whaaitu to mai te imi. O mo oiti, nen ehia e te putua tapapara e vaira puta ihi hapi no porinetia farani, tahoho ahia e Marcial Delcas. Te ora nei om oiti roto i te nātura. I he atoa i te hia i te maumu'o. Nā oe te reirai whiruri mai. Haman o mai, oiti, nene e hia i te putua tapapara e veir aputa i hiap i no porinetia frani. Wahina aroa e nei a oe erere? Wa itea e nei a oe i te teimau animara aurera i te teimau tau a erere nei? Amat et e mei. Ahi o i te ie manu e rere nei nā roto i te rewa. Aita o ia e topane, no te aha hoi. I te imhana, e hapi o e nā whia ia hamani ho e manu rewa i te api parau. E hi o atua o e te fauf au te matei, ia rere ta o e manu rewa. E rawe oe, ho e api parau no te hāmani tā oe manurewa. Ua ineine oe, hāmata ana. A tui tā oe api parau i mua ia oe, mai te ie. A rawe nā poro i raro, e wha āwharo i nia i nā poro i nia. Tā pea mai te i te api parau, e a tuwhetu. A taumi mei tei mei teie. A hohorai te api parau mei teie. A rave ho e poro, a tuwhetu i te roara o te reini. A tapea mei tei te api parau, a tuwhetu ura. Nā reira atuai te teia tuporo. Teie ia, iau te an amai. A rave ho e pē,
e atu fetu ini ai tereni i ropu. Atu fetu e atau mi maitai. Nā reira atua i te teia tupe. Teie ia, iau tian ai mei. Ahuri i ta oe api parau. I teie nei, arawe ho epe e atu fetu ini ai tereni i ropu. Atu fetu e atau mi maitei. Nā reira atua i te teia tupe. Atu fetu i ta oe manurewa nā ropu. Ahohora i te manurewa. Te raia, wauti ta oe manurewa. E hio oe te fauwhau te matei i a rere ana ta oe manurewa. Nā whea te manurewa e rere maoro ai. Te ie prauhia nei, te maura ai roto i te aore. A hauti ana. E aha atua te motaua e whaohi panei i te maura ai roto i te aore. Te amarara. Te manurere, te pere o'u. Oi a mau, te whaaohi panei te amarara e te manurere i te maura i roto i te aore. Afaro e a tamau mai tei. Maoti te maura i roto i te aore e rere maoro ai te manurewa. A tapiti mai. Te aore. Rere. E tia ia tufetu no te hamani ho e manurewa. A tapiti mai. Tufetu. Taumi maitei. Te ienei, e imi mei outou i te te motaua, e whaohi pane i te maura i roto i te aore. Hana, wa api oe nafia ia hamani te ho e manurewa e te api prou. Te veira te tei atuhuru manurewa. E wharerei af ahau tātou. Parheian e. Irène, quel succès! Il y a un monde fou pour la voir!
Eh bien ça alors, la reine Irène a décidé d'organiser une grande fête foraine dans les jardins de son palais. Manège, grenadine, piscine à bulles... Oh, pas étonnant que ça se bouscule au portillon. Oh, ça, c'est la meilleure. Le renard a le droit de venir, mais pas le lapin. Ah, et maintenant le kangourou. Voyons s'il pourra monter. Oh, oh, une reine mélomane. Une souris avec une flûte. Ça va forcément lui plaire. Bon. Alors là, j'y comprends plus rien. Pas de place pour l'écureuil et ses magnifiques cerises non plus. Oh, l'écureuil a montré le noyau et pouf, il a pu monter. J'en suis tout étonnée. Attendez une seconde. Noyau, mandoline, renard, grenouille, chenille. Tous contiennent le son N. Mais oui, Décibel, vous avez raison. Ils peuvent monter eux aussi, car dans canari et canard, on entend le son N. Mais c'est injuste. On laisse passer le colibri avec son nid, mais pas la tortue et son pain de mie. Mais c'est parce que même si les sons m et n se ressemblent, il ne s'agit pas du même son. Écoutez bien, ni et mi. Vous le savez bien, vous qui vous appelez sono, pas somo. Ah oui, oui, sono, avec la lettre n, oui, merci. Eh oui, car le son n s'écrit avec la lettre n. Comme dans renard, chenille, grenouille. Oh, c'est l'heure du départ. Votre Majesté, tout de même, vous pourriez les emmener eux aussi. Eh mais attendez, ils font tous partie de la famille des animaux. Et dans le mot animaux, on entend le son N. Ils peuvent donc tous monter dans le navire. Oh, sur ce coup-là, Sono, vous avez eu du nez. J'en suis toute retournée. Oh, Décibel. Oh, vous me gênez. Sapristi, un mal de mer général. Il va falloir faire une escale avant d'arriver au palais de la reine Irène. Eh bien, il semblerait que l'île Neuneu soit tout près. Oh, un désert! Ce n'est pas comme ça que nos amis vont reprendre des forces. Il nous faudrait un lac, des fruits, un bananier, non. Oh! Ça alors? Vous avez dit bananier et pouf, il est apparu. Vous croyez que ça marche avec tout? Oranger, gâteau, ananas. Oh, c'est rigolo comme tout ce jeu. À moi. Raisin, vélo, navet, valise. Attendez, je commence à comprendre. Bananier, ananas, navet. Mais oui, on est sur l'île Neuneu, l'île du son N. Oh, l'île a la forme de la lettre N. C'est logique, puisque le son N s'écrit avec la lettre N. Cette île est vraiment géniale. J'ai une idée. 9 nains de jardin portant des lunettes. Eh oui, il y a 3 fois le son N. Un au début du mot neuf, un au début du mot nain et un au milieu du mot lunette. Oh, à moi, un énorme nuage noir menaçant. Oh, 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 Décibel. Oh là là. Oh, je suis désolée. Bon, pas de panique. Le colibri, vous filez vous abriter dans votre nid. Vite. Oh, regardez. Le I est venu s'accoler au N pour former le mot nid. Eh oui. Lorsqu'on combine la lettre N avec une voyelle, on forme une nouvelle syllabe. N, I, ça fait ni. N, U, ça fait nu. Comme dans nuage. Oh là là, mais ce n'est pas ça qui va nous aider, hein. En plus, le vent est déchaîné. La chenille et la souris vont finir par s'envoler, elles aussi. Il faut trouver quelque chose. Vite! Je sais. Canapé. Oh. Ouf! Sauvé. Oh, des tornades. Décibel, faites quelque chose. Oh, j'ai une idée. Canon à nuage. Oh.
Merci, Décibel. Vous allez mieux? Tous sur le navire. Le palais d'Irène n'est plus très loin. Je crois bien qu'on est perdu. Ma carte s'est envolée et on n'a pas de boussole. Mais qu'est-ce que c'est encore? Une baleine. Mais j'y pense. Elle doit connaître la mer comme sa poche. Elle va pouvoir les mener au palais. Regardez le palais! Comme quoi, quand on n'a pas de boussole, il faut toujours avoir une baleine. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. À quoi ça sert de dormir? Au lit, c'est l'heure de dormir. Pourtant, tu as bien envie de finir ce dernier niveau de ton jeu vidéo préféré. Erreur. En effet, le sommeil est ultra important. Tu peux penser qu'il ne sert qu'à se reposer. C'est faux. La nuit, ton corps continue de travailler. Et l'empêcher de dormir, c'est l'empêcher de faire tout ce qu'il faut pour te maintenir en bonne santé. Mais que fait le corps pendant le sommeil? Déjà, il y a deux types de sommeil importants durant la nuit. Le premier, c'est le sommeil profond et lent, qui va favoriser les réparations du corps. Par exemple, après des efforts physiques, comme une compétition sportive, le sommeil lent est plus long. C'est durant ce sommeil que la peau produit de nouvelles cellules, que le corps évacue ses déchets, que tu consolides ta mémoire. Mais aussi que tu grandis. Durant le sommeil lent, ton corps produit des hormones de croissance. Un enfant avec un mauvais sommeil grandit moins bien. Ensuite, il y a le sommeil paradoxal. Durant cette période, tu as les yeux fermés, mais ils bougent rapidement sous tes paupières. C'est un moment où tu rêves beaucoup. Ton cerveau est très actif, quasiment autant que quand tu es éveillé. Aujourd'hui encore, les médecins se demandent à quoi servent les rêves. Par contre, on sait que le sommeil paradoxal favorise la créativité. Ce qui est sûr, c'est qu'un bon sommeil permet de diminuer le risque de développer des maladies. Et il permet de mieux apprendre, d'être de bonne humeur et plus performant. Alors, tu n'as toujours pas envie de dormir? Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Quand je serai grand, je serai fleuriste. Je ferai plein de bouquets de fleurs. Des très gros, des tout petits, des bouquets tout blancs ou tout roses. Et je vendrai des arbres aussi. Des arbres fruitiers. Parce que c'est bon, les fruits. Ou alors, je serai marchand et je vendrai les fruits. Des pommes, des poires, des abricots. Et je vendrai mes bouquets avec. Bien rangés, du plus petit au plus grand. Tu veux installer tes bouquets par ordre croissant? Mais comment vas-tu faire pour les ranger dans l'ordre? Déjà, je vais ranger le plus petit. Ça débarrassera un peu. Le plus petit de tous, c'est le 6. Il n'a qu'un chiffre, on le repère vite. Celui-là, on ne s'en occupe plus. Maintenant, il faut trouver celui qui se range juste après le 6. Je cherche le plus petit chiffre des dizaines. C'est le 1. On peut ranger le bouquet de 15 fleurs. Comme ça, il n'y a plus qu'à comparer les bouquets qui restent. Quel est le plus petit maintenant? Ces deux-là ont le même chiffre des dizaines. Alors, on regarde le chiffre des unités. Entre 8 et 3, le plus petit, c'est le 3. Le bouquet suivant a 23 fleurs. 23, c'est plus petit que 28. On peut ranger ces deux-là par ordre croissant. Il ne reste plus que le 35. Et voilà! Je n'ai plus qu'à vendre mes bouquets maintenant. Plus ils seront gros, plus ils seront chers. On fait pareil pour les fruits? Comme ça, tu pourras faire tes prix. Pour les fruits, on va ranger dans l'autre sens. Du plus grand au plus petit. D'accord. Par ordre décroissant maintenant. Pour ranger une liste de nombres, il faut choisir un sens de rangement. Puis on cherche le premier, on l'élimine de la liste et on recommence. Oh là là! Et si je vends des petits pois, je vais être obligée de les compter un à un? Si tu comptes les fruits pour faire tes prix, il vaut mieux vendre des pastèques. Vas-y, Anna. J'ai distribué. À toi de commencer. Pose ta carte. Je pose un 17. À toi de jouer.
Je pose un 13. Hé ! Non, 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 non ! Le 13, ça ne marche pas. Tu n'as le droit de poser que la carte qui vient juste avant ou juste après la mienne. Le 16 ou le 18. C'est ça le jeu. D'accord. Alors celle-ci, je la pose en dessous. C'est dans les règles du jeu, ça ? Bon, d'accord. Tu peux mettre ton 13. Moi, je pose mon 12 et comme j'ai gagné, je rejoue. Ça t'arrange, hein ? Et tu es sûre que le 12, ça marche ? Bien sûr. Quand on enlève 1 à 13, ça fait 12. C'est bien le nombre juste avant. Et si c'est le nombre précédent, pourquoi tu poses la carte après ? Tu t'es trompée ! On peut les mettre dans le sens qu'on veut. Il suffit d'écrire le signe « plus petit que » ou « plus grand que » dans le bon sens. C'est comme le bec d'un oiseau qui serait très gourmand. Il s'ouvre toujours vers l'endroit où il y a le plus à manger. Bon, à moi de jouer. Un 14. C'est gagné. J'ai encadré le 13. Hé, pas si vite. C'est mon tour maintenant. Le 16 à côté du 17. Et je rejoue. Et voilà, moi aussi j'ai gagné. J'ai encadré le 16. Encadrer un nombre entier par deux autres, c'est trouver celui qui est juste avant, puis celui juste après. On peut même faire une chenille quand ils se rangent tous dans le même sens. Et maintenant, une autre règle du jeu. On doit encadrer à la dizaine près. Alors, d'après toi, quelle est la dizaine juste au-dessus du 26 ? Le 30 ? Et la dizaine du dessous, c'est le 20. Bravo, encore gagné. Encadrer un nombre entre deux dizaines consécutives, c'est trouver la dizaine qui est juste avant et celle qui est juste après. Oh, t'as eu trop de chance. Tu vas voir la prochaine fois. Je peux gagner aussi, tu sais. Je suis le numéro 1. Je suis un as. Ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Ça veut dire quoi ? Mettre en quarantaine. C'est isoler des personnes et des marchandises qui viennent de régions où sévissent des maladies contagieuses. Cet isolement peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. Et à la fin de cette période, si les personnes isolées ne sont pas malades, elles peuvent reprendre une vie normale. Dans quel cas mettons en place une quarantaine ? L'objectif de la quarantaine est d'éviter qu'une maladie contagieuse ne se propage dans le reste de la population. Les premières mesures de quarantaine sont apparues en Italie au XIVe siècle. Les bateaux qui venaient d'une zone infestée par la peste étaient isolés pendant 30 ou 40 jours, d'où le terme de quarantaine. Jusqu'au début du XXe siècle, ces personnes étaient enfermées dans un lazaret, un établissement aux murs épais. Les conditions de vie y étaient difficiles et beaucoup tentaient de s'en échapper. Aujourd'hui, la mise en quarantaine a changé. Les personnes exposées à la maladie peuvent rester à leur domicile. Si une personne tombe malade, elle est conduite dans un hôpital pour être soignée. Et une enquête est alors menée pour retrouver toutes les personnes avec qui elle a pu être en contact pendant qu'elle était contagieuse. Pour l'épidémie de coronavirus qui a débuté en Chine au début de l'année 2020, la durée de mise en quarantaine recommandée est de 14 jours. Tu te poses des questions ? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. Bonjour, Monsieur Dring. Ça te dirait de jouer aux échecs avec moi ? Désolé, Digit, mais là... C'est l'heure de ma gymnastique. Bon, bah, après la gym, alors. Attends, laisse-moi regarder mon emploi du temps. Voyons... Il est 15h. Ça risque d'être compliqué, Digit. J'ai une journée très chargée. Regarde. Ah, oh, quelle blague, Monsieur Dring. Aujourd'hui, c'est mercredi. Tu fais des pauses toute la journée. Comment ça, des pauses ? Ben, pas du tout. Bah si, regarde. Pause, 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 pause. Tu t'embêtes pas, Monsieur Dring. Oh, mais tu n'as pas tout lu, Digit. Ah bon ? Et qu'est-ce que j'ai pas vu ? Monsieur Robot, s'il vous plaît, pourriez-vous nous aider ? Merci beaucoup.
Alors, généralement, un emploi du temps est représenté par un tableau hebdomadaire. Et il possède deux entrées. L'une pour les jours et l'autre pour les heures. Pour te repérer dans l'emploi du temps, tu dois croiser la colonne des journées et la ligne des heures. Donc, nous sommes mercredi, il est 14h30. Bah tu vois, j'ai sport jusqu'à 15h30. Et à 15h30, tu as histoire des montres. Jusqu'à 16h30, c'est ça? Exact, Digit. Ce cours ne dure qu'une heure. Et demain, à 10h30? Alors je vais dans la colonne des jours jusqu'au jeudi, et je descends la colonne des heures jusqu'à 10h30. Tu as mécanique des montres jusqu'à 11h30. Bravo, Digit. Tu sais lire un emploi du temps. Moi aussi, je vais faire mon emploi du temps. Mais je vais le caler sur le tien. Comment ça, Digit? Nous n'avons pas les mêmes matières. Regarde, j'organise mes journées avec différentes matières, mais je ferai une pause tous les jours de 12h30 à 13h30, comme toi. Comme ça, on pourra jouer aux échecs. Eh bien, Digit, c'est parfait. Je t'attends demain à 12h30. Mais, où vas-tu? On est mercredi et il est bientôt 15h30. Faut que je file, j'ai piscine. C'est vrai, j'oubliais que tu étais étanche. Eh ben, à demain, Digit. Et n'oublie pas ton échiquier. Mais c'est l'anniversaire de Monsieur Robot. Et si on lui faisait un gâteau? Bonne idée. Mais attention, Monsieur Robot revient dans une heure. Tout doit être prêt dans 60 minutes. Pas de problème. Allez, hop, je lance le chrono. Au fait, ça se prépare comment, un gâteau? Auriez-vous l'obligeance de m'attraper ces ingrédients? Monsieur Drigg, faites quelque chose! 15 minutes sont déjà passées. Tu veux dire un quart d'heure? Alors, il nous reste 3 quarts d'heure pour faire le gâteau. Il faut pas traîner. Encore 2 quarts d'heure, ça fait pile une demi-heure. 2 quarts d'heure, c'est 2 fois 15 minutes, soit 30 minutes. J'aurais jamais imaginé qu'il fallait autant de temps pour faire une tarte. 15 minutes pour récupérer les ingrédients, 30 minutes pour préparer la tarte, ça fait 45 minutes. Ou 3 quarts d'heure. On a fini en moins d'une heure, je l'avais dit que c'était facile. Et la cuisson alors? Heureusement, il nous reste 1 quart d'heure. Cher cow-boy, on va encore avoir besoin de vous. Une heure pile. Monsieur Robot va arriver d'un instant à l'autre. 60 minutes, une heure pile. Qu'est-ce que je disais? Joyeux anniversaire! Dis donc, tu n'as pas l'impression qu'il manque quelque chose? Oh, oh, les bougies! Tiens, revoilà la porte. Tu veux dire les portes? Un extraterrestre mange avec son chat à la table d'un restaurant. Tiens, quels sont les noms communs dans cette phrase? Extraterrestre, chat, table et restaurant. On les reconnaît grâce aux déterminants qui sont devant. Il n'empêche, c'est absurde. Les extraterrestres ne mangent pas avec des chats aux tables des restaurants. Où veux-tu en venir? Tu ne remarques rien sur les noms communs? Oui! Si on parle de plusieurs extraterrestres, plusieurs chats, plusieurs tables ou plusieurs restaurants, on le marque à l'écrit. C'est le pluriel. Alors que le singulier désigne une seule personne, un seul animal, une seule chose, un seul lieu. Ah oui! Et on parle alors du nombre du nom. Le nombre d'un nom est singulier ou pluriel. Oui, une porte. Des portes. Un nuage. Des nuages. Le chat. Les chats. La table. Les tables. Un extraterrestre. Des extraterrestres. Un restaurant. Des restaurants. D'accord. N'empêche, c'est absurde. On n'a jamais vu un extraterrestre manger avec un chat au restaurant. Mais non, c'était juste un exemple. Tiens, on va s'amuser à mettre des noms au singulier et au pluriel. Tu es prêt? Si je dis... Le facteur distribue des lettres.
Le boulanger vend des croissants. À toi. Tu dois mettre les noms singuliers au pluriel et les noms pluriels au singulier. C'est rigolo. Voyons. Les facteurs distribuent une lettre. Les boulangers vendent un croissant. J'ai compris. Pour écrire un nom singulier au pluriel, on lui ajoute le plus souvent un S. Il y a des exceptions, mais on voit ça la prochaine fois. J'ai trop faim. Salut Amélie. Salut Amélo. Vous vous amusez bien sur notre planète? Ah oui, ils s'amusent bien. Ils mangent un croissant, nourrissent le chat, se lancent une balle, se font un bisou et jouent au tennis avec un chou. Pourquoi pas avec un caillou? Ce n'est pas fini. Maintenant, ils imitent un hibou. Avalent un cachou? C'est pour s'éclaircir la voix. Hé, attention à ton genou ou à ton nez si tu te prends les pieds dans le tapis. Mais non, Amélie, un pneu, ce n'est pas un bijou. Mais, Amélo, un écrou, ce n'est pas un joujou pour vous. Et les voilà copains avec un pou. Décidément, les extraterrestres ne font rien comme nous. Hé, vous devriez raconter tout ça à vos amis restés sur votre planète. Je vais vous aider. Prêt? Nous mangeons des croissants. N'oublie pas de mettre au pluriel, Amélie. Tu sais, la plupart des noms prennent un S à la fin. On nourrit les chats. On se fait des bisous. On joue au tennis avec des choux et des cailloux. On imite les hiboux. On avale des cachous. On s'éclaircit la voix. On s'écorche les genoux. On se cogne le nez. On se prend les pieds dans le tapis. On met des bijoux. Les écrous sont nos joujoux. Et on est copains avec des poux. Moi, je la trouve très bien, leur liste. Oh, mais tu as vu? Il y a des noms qui se terminent en « ou », mais qui prennent un « x » à la place du « s ». Ah oui, tiens, c'est vrai. Ce sont des exceptions. Il y en a 7. On écrit des bijoux, des hiboux, des choux, des cailloux, des genoux, des joujoux, des poux avec un X à la fin. Tous les autres mots en OU prennent un S au pluriel. Bisous, cachou, écrou, mais aussi doudou, kangourou ou glouglou. Oui, et il y a d'autres exceptions, Pauline. Les mots qui se terminent par S, X ou Z au singulier, comme tapis, voix ou nez. Ah oui, ils ne changent pas quand on les met au pluriel. Des tapis, les voix, les nez. Et il y a d'autres exceptions encore. Mais si on envoyait plutôt cette liste? Je ne suis pas sûre que nos extraterrestres sachent lire notre écriture. Tiens, je pense que les amis d'Amélie seraient contents d'avoir de ces nouvelles. Oui, mais ils sont trop loin pour parler. Ils vont devoir s'écrire. Voyons, Amélie, qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Du cheval, puis tu as réparé un tuyau, un pneu, visité un château, tu es allée voir un esquimau, tu as coiffé ton neveu avec un joli chapeau et tu as repeint le portail. C'est du travail. Ça en fait des choses à raconter. Mais tu aurais pu les mettre dans l'ordre. D'abord, Amélie a fait des travaux. Repeint les portails, ceux des châteaux, et réparé tous leurs tuyaux. Et les pneus crevés aussi. Puis elle a vu des chevaux. Ensuite, elle a fait des chapeaux pour ses neveux avant d'aller voir les Esquimaux au pôle Nord. Les noms qui se terminent en E, E, U, O, A, U ou O, E, A, U
prennent un X au pluriel. Et c'est pareil pour les mots qui se terminent en al, A-L ou en A-I-L. Eux, ils se transforment même en O-A-U-X et forment le son O. Et attention aux exceptions. Rappelle-toi, le portail, les portails. Un pneu, les pneus. Il y en a d'autres. Un landau, des landaux. Des carnavals, des festivals, des balles, des chacals, des régales, des détails, des chandails, des gouvernails. Stop, 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 on a compris. Quand le nom singulier se termine par E-U, A-U ou E-A-U, le pluriel se forme en ajoutant un X. Non, non, on ne t'a pas oublié, Amélie. Tu vas maintenant pouvoir écrire à tes amis. Prête? Je commence. Ohanui to tatou avetina ma ototene apepetina top class ma he eo enata. Wa itia dei oe pehea oe a ite e tahi ha ina i titahi taha. E imi mai oe i hea te poro e mokai. Aha ka uno mai. At himitai, ina oe a ite te tauata nui te hakatui una to tau poro. E tahi i vavenau atou e mokai. Ia te aporo a imi mai. A e ia i te reni tōu. E nā ia i vavenau te pavei tahi me te pavei ima. E nā ia ma a'o o te tauporo vairoti. Te poro i mokai, e nā ia i tikeke i maoko o te poro me te kapu i po i ere ere. O ai te poro i mokai. E, o te poro me te kuea mo e oa kuihi, a e te a poro i te reni tōu. E nā ia i vavena o te pave i tahi me te pave i ima. E nā ia ma a'o o te tauporo vairoti. E nā ia i tikeke i maoko o te poro me te kapo ipo i ere ere. Wako ana ia oe te avaina o te poro i mokai. Wa i te oe i hea te keke i maoko, te keke i mae ae. I nohe i hepe pona te aoke i ahanatia nei no te keke i maoko me te keke i mae ae. I awhiti oe mauta i ono oe te tani o te manu, te muhumuhu o te vai. Aha ka ono mai. Oine te hamani i uta i o omi e te puse RDP no porine te afrani, patua tatia e Philip Dubois. I uta. E hata ue ono nei. E muhumuhu o te vai. E hatau e ono nei. E vaa ina o te mitāne. E hatau e ono nei. E mana aka e fatia.
e hata ue ono nei. Ai, e veine hae e haa. A-o, e kai u kuku po o tupau. Tenei, e ka ono haka ua oe I te tautani. E mahope mai, e haahei oe me te tauata. Te muhumuhu o te vai. Te vaa ina o te metani. Te mana ākau e whatia. Te tani o te kuku. I tēnei, e tau I tatatou keu. A haka ono, kua pāu a pe āu. E aha tau e ono nei. E mana a kau e whatia. E aha tau e ono nei. Ai, e vihine hae e haa. A haka ono, wapau a peau haka ua. Te muhumuhu o te vai. Te tani o te metani. E aha tau e ono nei. Te vaaina o te metani. Te tani o te manu. Te kuku me te huu me tie. Kua kua nui, wa vivini o e tēnei te tau hakatu tani I oto te kaawai. Oi ono mai nei o tou te haakakai I uta I omitia e te puse RDP no porini te afrani patua tatia e Philippe Dubois. To taua a veitina. A ti ohi tenei tapaha mani. Wa ite anei oe e aha te haina I to tia no te tiputa I tenei tapaha mani. A ti ohi. Te pāmata. Tenei pāmata no te tomi te mata. E avei nei te ata enata ako e a te ata animar. O kanea e nei o e te pāmata? No te kanea I tēnei pāmata,
E to o e te tau haina no te tipu tai te hamani. Ua peipei oe. E to o e tēne tau haina. E te hea katu pāmātā kane atia i tō e hamani feo. Te hamani feo mā ita. Te hamani pehu. Te pēni. Te aho. E tō oe ma una atu tēnei tau haina. E tei patu arahu. E tei paoti. E tei oka. E tei tiputa ua. Wa peipei pautu tā oe tau haina, a ti ohi ka ua tato. A ti mata ma te tau haina. E tei hekatu pā mata kane atia i tō e hamani feo. Te hamani feo mā ita. Te hamani pehu, te pēni, te aho. A te ohi tātou tēnei te tauhaina no te kanea, e te patu arahu, e te paoti, e te oka, e te tiputa u. O peipei oe, e nā tātou a ti mata. A tō o te hamani feo maita me te hakatu pamata. A tō o te hakatu pamata i noi hamani feo, a māu me tāi pe enei. A patu viipu o te pamata. Ia pāo tei pitokeke o te mata. I tēnei, a tō o te paoti, a paoti viipu te pamata, a paumeita i te reni. Ia pāo a tō o te oka. A te uhimeita i a puta tō oe mamana ima. A te puta te kākaiu ua hatita tita. A hana hakatuna i heo mātai pito keke o te pāmata. Ia pāo i te veo veo, a tāki te tau wāhana hamani pe enei. A tō o tēnei te tiputa ua, a tuumeitai te pāmata i oto. A tiputa e tai ua i nā keke o te pāmata, ia hei me te taimata. Ua peipei te pāmata no te hakanahau. A tō o te peni e a peni tō o e pāmata me tā oe i mai mai. Ia pāo, a haawae no te haamuu. I tēnei, a kā motumotu te tau a veawe hamani pehu. A tō o te tiputa ua e a tiputa te ua viipu te pāmata. Me iti taikeke o te mata tihe iti taikeke, a tuumeita i te a tiputa ua pe enei. O ianei te koana mai. I tēnei, a tō o e taiawe hamani pehu, a tui i oto te ua ia pāo ahumu. A hana hakatona i heo me taipito tau ua no te kānea i te ouoho. E ko ana mai ia oe tēnei. I tēnei, a kā motu e ua ave aho hakatu te koa. A humu e taiawe i nā keke o te pāmata. Wa pāo tō oe pāmata, no te kanea ia ia, wa tō oe ua haina no te tipu tai te hamani, e ko ana ia oe e oka. I tēnei, a keu tāu, e ia te tau haina, e tei oka, e tei tiputa ua, e tei kohe, e tei pīne. E aha te tauhaina no te tīputa i te hamāni,
te oka. Eh. Te fi puta ua. Eh. Te kohe. Ao. Te pine. Eh. Te oka. Te tiputa ua. Te pine. E te huaina tenei no te tiputa i te hamani. Aka ono me tai e a tamau. No te kanea i te pamata, e to o e te tau haina me te tau haina no te kanea. A pe au maha pe o u. Te haina, te tau haina no te kanea. Te tiputa nei au te hamani me te tiputa ua. A pe au maha pe o u. E tiputa nei au te hamani me te tiputa ua. I tenei, a imi me to e tau hua hamani, poutu te tau haina ta oe i te no te tipu ta taipito tau momau. A ti ohi meitai, e nā me te tau haina e me mai oe. Te oe tenei, pehea te kanea, te pamata. E kuana ia oe ia oka, no te hakanai to oe mata. Ma titahi a, i oto titahi a pepetina, ke ato.